Psaume 89. Psaume 107. Sanctuaire.
j'exulte, je partage si chaîne. J'apporte la vallée de Soukhot. À moi qu'elle a évanassée. Effrayé la rure de ma tête. Judas, mon bâton de commandement. Moab, le bassin où je me lave. Sur les dents, je jette ma sandale. Qui me mènera dans un lieu fort? Qui me conduira jusqu'en Édom? Où serais-tu rejeté, ô Dieu? Tu ne sors plus avec nos armées. Porte nos secours dans l'oppression. Néant le salut de l'homme. Avec Dieu, nous ferons les promesses. Et lui piétinera nos oppresseurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 145. Cantique des Proverbes 2, page 260. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves en toi mes préceptes, rendant tes oreilles attentives à la sagesse, inclinant ton cœur vers la vérité. Oui, si tu fais appel à l'entendement, si tu comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprends.
comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. Il réserve aux hommes droits son assistance, il est le bouclier de ceux qui pratiquent l'honnêteté. Il monte la garde au chemin de la justice, il veille sur la voie de ses amis. Alors tu comprendras, justice, équité, droiture, tous les sentiers qui mènent au bonheur. Quand la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera tes délices. La prudence veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Seigneur, à l'esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. De Saint Cyrille d'Alexandrie au 5e siècle. Si nous formons tous entre nous un même corps dans le Christ, et non pas seulement entre nous, mais avec lui, puisqu'évidemment, il est en nous par sa propre chair, comment donc notre unité entre nous et dans le Christ n'est-elle pas déjà visible? Car le Christ est le lien de l'unité, étant lui-même Dieu et homme. Quant à l'unité dans l'esprit, nous suivrons le même chemin et nous dirons encore qu'ayant tous reçu un seul et même esprit, je veux dire l'Esprit Saint, nous sommes en quelque sorte mêlés intimement les uns avec les autres et avec Dieu. En effet, bien que nous soyons une multitude d'individus et que le Christ fasse demeurer en chacun de nous l'esprit de son Père qui est le sien, il n'y a cependant qu'un seul esprit indivisible qui rassemble en lui-même les esprits distincts les uns des autres du fait de leur existence individuelle et qui les fait apparaître, pour ainsi dire, comme ayant tous une seule existence en lui. Tous nous sommes donc un seul être dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul être, dis-je, dans une unité d'État, un seul être dans un progrès conforme à la piété, par notre communion à la chair sacrée du Christ, par notre communion à l'unique Esprit Saint. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit à l'homme, étends la main. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là, devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais ils se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Rachète son peuple. Et en ceci, la force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, seul autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrange de l'oppresseur aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de ne donner qu'à franchir de la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face. Marchera devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, gise dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Tu es Saint Dieu,
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons